Shalom Alechem, on est dans Siman Tafresh Ain Aleph, Seder Adlakatne Hanukkah Omakoman Ahato. Le Seder de l'allumage, comment on va allumer les bougies de Hanukkah et où on va le mettre. On dit la Khazain Norav, Mishiyesh Lo Shemet Balaila Sheni, Boashlishi, Kishiyuch Yuva Idu Bilbad. Et on sait Pelish Pel Nemachar, Lo Yelo Shemet Nadikne Hanukkah Mutav Shadlik. Un homme que lui qui craint que, c'est-à-dire le premier jour, il va allumer une bougie, deux bougies, trois bougies, après, il n'aura plus de l'huile pour toute la semaine. Alors il va dire, bon d'accord, j'allume moi une soirée, deux soirées, la deuxième, troisième soirée, puis après c'est bon. Ah, nous sera Hamana Patré. Vas-y, nous sera Hamana Patré. Un homme qui est honnête, en contre un 4 pour majeur, et ben quand le Bohru il lui dit bon mon fils, c'est bon, ça fait la Ishtadlout, tu n'as pas trouvé de l'huile, et c'est tout. Non, tu dois prendre tes précautions. Si t'as pas, tu n'as pas maintenant te rentrer dans un système de anus, de forte casse majeure. Tu as 3 jours les bougies, tu allumes tous les jours une bougie et le reste pour les autres jours. D'accord? Il te reste encore combien? Le deuxième jour, encore une autre bougie. Le troisième jour, encore 2 bougies. Ça fait 3 en plus. Comme ça, tu vas allumer au moins, Ken, tu vas allumer 6 jours. Im yesh lo shemen shiur shel bet nerot bilvad, vu omed belel shlishi, ve lemachar yeh lo shemen adik belel shlishi, ner echad keshiur, ve yachlok ha-shemen hanishar lishnei hanerot ha-acherim, ve rak im en lo ela ner shava, שאי אפשר לחלק כל שתיים, ידליק נר אחד בלבד. Un homme que lui qu'il a de l'huile pour 2 nuits, c'est tout. Et lui maintenant, il se trouve le troisième jour. Et les machas, et demain il va avoir encore de l'huile. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il a un problème que le troisième jour. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Yadlik belel gimel ner echad keshiur. Il prend une bougie. Le troisième jour, il va l'allumer pour la demi-heure, comme il faut. Et l'autre bougie qu'il a, il va la diminuer. Il va prendre un peu de l'huile de 15 minutes et 15 minutes. Comme ça, il aura 3 bougies. Une bougie, comme il faut. Pourquoi? Pour que maintenant, quand il va rentrer et que son fils il va venir, oh, on est dans le troisième jour de Hanouka. Le Hiyouv, il a allumé, l'obligation, il a allumé, et c'est tout. Mais puisque maintenant, si maintenant tu as une bougie en cire, si tu peux la couper, il y en a des gens qui ont des grosses bougies comme ça, tu peux la couper en. Il y en a qui disent, tu peux la couper, d'accord? Tu tires un peu, tu la ranges bien, bien, dans le cercle, cette 2 bougies. Si maintenant tu auras 2 bougies, une demi-heure chacun, là, c'est bon. D'accord? Mais dans notre cas suivant, le bonhomme, lui, il a 2 bougies. Qu'est-ce qu'il fait? Une bougie, il allume pour le hiyou. Et la deuxième bougie, 15 minutes, 15 minutes. Mi she'en lo shemen arbe balay la shmini, kede she'yaspik lechol shmonat anerot imaydu. Iten b'shem b'ner ha-shmini, keshiyur adlakat chatzi sha'a, shu min ha-din. Vanota yechalek lechol shar anerot, velo yechalek ha-shemen b'ofan she'iten b'chulam, ken? שווה בשווה, שאז לא יצא ידי חובת הדלקת כלל, וגם לא יוכל לברך להדליק נר חנוכה, הואיל ואין באף אחד מהם כשיעור הנדרש לפי הדין. Il a de l'huile le 8e jour pour les 8 bougies, mais pas pour faire la mitzvah. Il aura 8 bougies allumées, mais en fin de compte, les 8 bougies ne vont pas allumer même pas une demi-heure. Alors il dit le rab, prends une bougie, il faut qu'elle allume pendant la demi-heure. Et le reste de l'huile, tu divises en 7 parties. Voilà, encore 7. En fin de compte, tu vas allumer une bougie comme il faut. Et les autres, ils vont peut-être allumer 10 minutes, un quart d'heure, etc. Il faut regarder pour les autres jours, là. Non, on parle qu'il est dans le 8e jour ici. Ah, okay. L'essentiel, il est qu'il faut allumer une bougie tous les soirs d'une demi-heure. Il y en a, ils ne savent pas. Une fois qu'elle allume une demi-heure, on peut l'éteindre. Hop, fais attention, on ne fait pas. Je pense. On n'a pas le droit. Pourquoi? C'est dangereux. Ouais,
C'est dangereux de souffler les bougies, même pour les anniversaires. Les anniversaires. Il y a un truc de ça, non, c'est pour les écharges. Kiner Nishmat Adam. Kiner Nishmat Adam. La bougie, c'est la Neshama de l'homme. C'est spirituel. Alors, comment on les souffle, les bougies d'anniversaire? Qui c'est qui a dit qu'il faut les souffler? C'est Minag Agoï. Non, les juifs, on n'a pas le droit de faire ça. On ne fait pas de bougie. Hein? On ne fait pas de bougie sur les bougies. Prends une cuillère. Prends une cuillère. Okay. Tu retournes la cuillère et tu fais, voilà la bougie, elle est là, tu fais comme ça. Comme problème. Tu mets tes doigts ou tu fais. Et tu souffles pas. Toi, tu souffles pas. Et même les bougies, la bougie de la Havdala, comment on l'éteint? Combien il y en a dans qui le font vent. Dans le pourquoi? Bah. Ah, tu n'as pas le droit de souffler. C'est l'odeur du galéden. Voilà, pour ressortir. On rajoute. On n'a pas le droit de souffler. Même si c'est une bougie Stam, c'est pas une bougie de Mitzvah. Stam bougie. C'est pas bien de souffler. Il n'y a ni Shmat Adam, parce que la bougie, c'est la Neshama de l'homme. Ok, on fait très attention. On a le droit d'allumer avec des bougies en cire. Oui. Mais il n'y a pas d'huile. C'est pas top. C'est pas le top, parce que la Mitzvah, elle est avec de l'huile, elle de l'huile d'olive. C'est un homme qui a de l'huile canola, ou de l'huile de soja, et il a une bougie. Si c'est bien d'utiliser de l'huile de soja parce que ça ressemble à l'huile. Ou par exemple l'huile de paraffine. Il y en a qui veut dire que l'huile de paraffine, ils éclairent très très beau. Alors, la daïque que si maintenant tu as de l'huile d'olive, c'est le top. Pourquoi? Parce que la mitzvah elle était avec de l'huile d'olive. Okay? Et pas avec la cire. C'est pas Shabbat, parce que Shabbat, c'est pas chouaré. Shabbat, il faut éclairer. Il faut que la lumière, elle est belle. On a un riou d'allumer Shabbat avec des bougies qui éclairent bien, beau. Avec l'huile. Avec de l'huile, c'est mitzvah mina moufra. Hein? Moufra, ça veut dire le top. Il faut savoir, selon la Gemara, il dit un homme à Zahir Bener, la Gemara dans Kav Gimel Amud Aleph, elle dit la Gemara en Shabbat, à Zahir Bener, mais revient l'homme banim tzadikim. Un homme que lui. Tous les nerfs bougies. Un homme que lui qui fait attention. Oh, doucement. C'est Rachid qui dit ça. Un homme qui les fait. Qui les aïre. Comment on dit aïre? Attention aux bougies. Eh bien, on lui donne des garçons. Tzadiki. Alors, Mazel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rachid dit de quel bougie? Mais même bougie de Hanukkah. Il dit Rachid sur place. Ner Hanukkah et Ner Shabbat. Ça veut dire quoi, aïre? Et non? Méticuleux. Méticuleux, Zahir. Mais fais attention. Non, fais attention. Il est méticuleux. Il est attentionné. Méticuleux, c'est plus fort. Quoi. Bah ouais. Ça veut dire quoi, attentionné? Fais attention. Je fais attention, je suis pas quelqu'un de tête en l'air. C'est pas les Azel. Méticuleux, c'est genre. Je fais la règle. Pointilleux, c'est de l'âge. Fais la règle, comme il se doit. Il y en a qui veut dire qu'avec de l'huile comme il faut que les mèches sortent comme il faut. C'est toi que tu prépares les mèches. Il y en a qui achètent tout prêt. Si tu peux, Daïk, si maintenant un homme, lui, il se trouve dans une situation. Le coton. Comment? Le coton, là, le coton. Daïk, un homme que lui, qui se trouve dans une situation, qu'il arrive à la maison à la minute, le temps qu'il va préparer les mèches. Le Zman, il peut passer. Et il faut qu'il allume. Il faut qu'il allume pendant la demi-heure. Après, c'est encore Rabim, la mitzvah, c'est la demi-heure. À partir de cet accord habituel. Il y a vraiment la mitzvah d'un Zman Mouyak ou il n'y a pas la mitzvah d'un Zman Mouyak? Il y a mitzvah. Maharal HaShulchan Aruch, il nous dit. Madlik. Non, mais à l'Alacha, je parle, hein. Je ne parle pas Je parle à l'Alacha. Alacha, elle nous dit. Madlik Imshkiata. Il allume la bougie à la fin de la Shkia. La fin de la Shkia, c'est combien? C'est un Korabi. Faire un vite après. Non? Avant. On fait un minchaï à vite avant. Oui. Ok? Ouais, mais si je fais un vite après, c'est le problème. Tu peux faire. Non. Mais, okay? Mais d'après là, la chasse, c'est conseillé de faire un vite avant. Pourquoi? Parce que t'as dit quoi? Ah. En général, on fait un vite et après, on allume. Mais si vraiment un homme lui croit qu'il va rater parce qu'il se trouve dans le chemin, il va arriver vite à la maison, etc., il va allumer les bougies, est-ce qu'il va faire un vite bouillie avant? C'est un kohavim, la pile, il faut allumer. Un homme qui sort du travail, qui rentre chez lui, qui l'allume, qui revoit travailler. Et sa question, alors question. Est-ce qu'il a le droit d'éteindre sans souffler, monsieur? Oh, non, il n'a pas le droit d'éteindre. Mais après une demi-heure. Mais il peut l'éteindre, mais pas sans souffler. Avec les mains. Un grand problème. C'est bête, mais ouais.
Non, c'est le besoin de lui qui reste après. Qui par exemple, quelqu'un qui a dans la bête à Knesset, le Shamash, tous ils sont partis. Le demi-heure, elle est passée, il est à aucun problème. Un homme, il a de l'huile, il n'a pas suffisamment de l'huile pour maintenant, pour demain. Il est éteint. Il est éteint avec ses mains. Si je n'ai pas assez d'huile et pas assez de mèche, j'ai le droit d'utiliser les mêmes que j'ai utilisé hier. Ça, on verra dans la halakha. Il y en a qui sont méhadrin que de ne pas utiliser la bougie d'hier. Pourquoi? Parce que pourquoi? On peut. Après la rabbi sera que ça, on peut. Parce que la bougie que tu as utilisée hier, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Elle était la bougie de Hiyouv, d'obligation. Et maintenant, tu vas utiliser pourquoi? Pour le Hitour. Tu vas diminuer. Tu vas diminuer. Malim Bekode, je vais le Moridim. Après, tu peux l'utiliser pour la. Là, d'après le rabbi sera que ça, c'est moutard de faire ainsi. On peut utiliser. Mouta. Ken. C'est vraiment pas jamais. Hazak Obao.